Junger, je viens de les voir s'approcher de la banque. Avec quoi au juste, Frank? Cole et Poppy Junger, il n'y a pas d'erreur. Et où est-ce qu'ils sont? À la banque, ils sont quatre, ils viennent d'y entrer. Les Junger par ici. Je crois qu'on vient de tomber sur du gros gibier. Allez, passez le mot, les enfants. Vous savez déjà tous quoi faire. Et dites à tout le monde d'attendre mon signal. On reste calme, est-ce que c'est clair? Alors, il y a une bonne façon de faire, et personne ne sera tué. Ou sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Toi, ouvre le coffre. J'ignore la combinaison. J'ai descendu Lightning Jack Kane. Non, tu l'as raté, c'est moi qui l'ai abattu. Il est tombé juste quand je tirais. C'est le plus rapide des tireurs qui soit, et j'ai réussi à le descendre. Ouais, peut-être bien que tu l'as touché, mais moi, je visais la tête. Et c'est pour ça qu'il est tombé de sa selle. Là, tu te trompes, c'est ma balle qui l'a atteint en plein dans le dos. Moi, je te dis Junger, que tu l'as sans doute raté. Les frères Junger. On en a eu un, nous aussi! J'en ai eu un! Installez l'appareil ici. On va mettre les cadavres au premier plan. Avec le comité juste derrière. Et l'hôtel de ville en arrière-plan. C'est un moment historique! Bien, celui-là, c'est Sam Jorgensen. Où est-ce qu'il est, l'autre? Où est le Lightning Jack? On a eu Kane, Marshall. Moi et Pat, tantôt, on l'a criblé de plan. Son cheval s'est enfui en transportant le corps vers la rivière. Sa renommée de très grand tireur, il vient de la perdre. Il vaudrait mieux qu'on le ramène. Marshall Kurtz au centre. Il faut que vous soyez au centre de la photo. Une petite déclaration, Marshall? Ben, les discours, moi, j'aime pas ça. Je laisse ça aux politiciens.
Je ne suis qu'un citoyen qui se contente de faire le travail pour lequel les gens m'ont élu. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on a lancé un message à tous les bandits. À Junction City, il faut respecter la loi. Sinon, il faut la crevure. Ah ouais. Bien dit. Et je crois que ces bandits-là viennent de recevoir une leçon. Félicitons le maréchal Kurtz. Alors, attention. C'est ça pour moi. Oui, d'accord, mais je ne suis pas shérif. Hein. Vous pouvez ranger ça. Lisez-le. Les frères Younger sont éliminés. Non. Tenez, lisez ce passage. Un seul de ces hors-la-loi a cependant déjoué le piège. Lightning Jack Kay. Ouais. Certains témoins ont juré néanmoins qu'on l'aurait criblé de balles et qu'il serait mort sur la selle de son cheval. Kane est de taille et de constitution moyenne. Cheveux blonds. Son visage paraît vieux et féroce. Et il a l'accent anglais. Anglais? Oui, monsieur. Ce n'est pas l'accent anglais. Non? Non, mon pays, c'est l'Australie. Oh. J'aurais voulu épater les copains au pays en leur montrant à quel point j'étais célèbre ici. Ça dit, je suis anglais. Bon sang, ces foutus journaux racontent n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Le maréchal Dan Kurtz ne s'en soucierait guère. Et selon lui, qu'il soit mort ou en vie, Kane ne représente rien. On a descendu Cole Younger, qui était le grand chef, et également le cerveau de la bande. Kane n'était qu'un vulgaire second et rien d'autre qu'un petit truand sans tête. Qui, une fois sorti de la bande à Younger, n'est rien du tout. Rien du tout? Ouais. Une fois sorti de la bande, je ne serai rien? C'est exact. Petit truand sans tête. C'est ce qui est écrit, oui. On verra qui n'a pas de tête. Ça fait 4 sacs de sel et 2 poches de farine. Est-ce que t'as compris? C'est 4 sacs de sel et 2 poches de farine. Et c'est en plus de ma commande ordinaire. Son écriture est très maladroite, Monsieur Corren. Peut-être que je pourrais la déchiffrer. Il a écrit « Merci, monsieur, est-ce que ce sera tout ?» C'est bien ce que je pensais, mais c'est mal écrit, très mal. Alors demandez-lui d'aller porter tout ça dans ma carriole dehors et pas question qu'il s'occupe de la caisse. À écrire comme il écrit, il vaudrait mieux ne pas trop se fier sur sa façon de compter, hein ? Porte tout ça dans la carriole de Monsieur Corren et vite. Et les insolences, ça suffit. Oh, n'en faites pas de cas, Monsieur Doyle. C'est un beau geste de chrétienté que vous avez eu en prenant avec vous ce pauvre malheureux. C'est vraiment très difficile des fois, Madame Franks. Car ce petit a été mal élevé, en fait. Ses parents l'ont toujours traité de façon à lui faire croire qu'il était identique à quelqu'un de normal. Et évidemment, quand le choléra les a emportés, j'ai su que c'était mon devoir de chrétien de l'adopter. Et de lui remettre l'esprit à l'endroit. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Une enfin. Bonne journée à vous. Attention, il fait très chaud. Oh, aujourd'hui. Ça c'est bien vrai. Ben. Ce Josh Curran est un de mes meilleurs clients. Je t'interdis d'être insolent envers cet homme.
trop du cul. T'exagères. Je veux plus de notes et je veux plus que t'écrives. Est-ce que c'est clair? Les trois quarts des gens ici ne savent ni lire ni écrire. Et ça les embête que tu aies de l'éducation. C'est anormal. Écoute, je t'ai reçu quand tout le monde te tournait le dos. Je crois que j'ai droit à un peu de gratitude. Allez, finis cette commande. Ensuite, occupe-toi de la caisse et amène-la à la banque. Alors, on ne s'énerve pas. Il y a une bonne façon de faire et personne ne sera tué. Ou sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Là-dedans. La porte! Tous contre le mur, loin de la fenêtre, et mettez les mains en l'air. Grouillez-vous un peu. Contre. Restez pas près de la fenêtre. C'est quoi cette histoire? Ce sont les marchands qui ferment. Quoi? Les boutiques. On ferme à 4 heures et on dépose l'argent entre 4 et 5. Peut-être bien que vous devriez revenir après 5 heures. Vous. Vous. Ouais, ouvrez le coffre. J'ai dit ouvrez ce coffre. Désolé, je suis seulement caissier et uniquement le gérant connaît la combinaison. Montrez-moi le gérant. Oh shit. Avec les autres. Restez loin de la fenêtre. Hey, on cambriole là-bas, vite, ramenez le chéri. Baissez les mains. Donne-moi ça. C'est juste l'idiot du village. J'ai dit retenez vos gâchettes. Mike, ramène-toi. Suis-les, John. Ne te fais pas voir. Il faut de bons fusils et des chevaux frais. Trouvez-moi quelqu'un qui les dépiste. On se retrouve aux écuries. Un mot et je te descends. À cheval. Ici, je commande. Et toi, t'obéis. Aucune question et pas de discussion, comprenez? En selle. Qu'est-ce que t'es? Moitié indien ou quoi? Non. Tu m'aurais sûrement dirigé droit sur eux si t'avais été indien.
Descends. Je suis content. C'est bien de ne pas avoir crié. Tu peux retourner chez toi. Tu peux parler. Ils sont rendus loin. Tu ne peux pas parler? Tourne-toi. Regarde cet arbre. Regarde par ici et tu es mort. Attention, tu es prévenu. J'adhère à votre bande. Je suis tout seul. De toute façon, qu'est-ce que tu ferais? Tu as volé une banque avec ton petit crayon? C'est pas sérieux, ton truc, enfin. Enlève-moi ces bottes. Vite. En chaussettes, ça t'empêchera de les rejoindre et de dire à ces messieurs où je suis. Estime-toi heureux de rentrer à pied chez toi et non fissuré en travers d'une selle. Adios. Pas de sens. Il a dû relâcher le gamin dans la rocaille, là où on a perdu sa trace. Et peut-être qu'il fait courir ce pauvre jeune demeuré à pieds nus derrière lui par pure méchanceté. Gardez l'œil ouvert et tirez à vue. Il m'a coûté $50. Ouais. Soucez le poison. Va falloir que tu suces la morsure. C'est trop loin. Fétiche a marché. Écoute, je ne crains rien du tout, d'accord? Sauf que je vais laisser en bas. Quoi qu'il en soit, tu t'en allais grignoter ma fesse pour sauver ma vie. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que tu me sauves la peau. Et ça, je le prends par la légère.
Allez, on sait. Ils ont sûrement abandonné. Les matadors ne traversent jamais d'un comté à l'autre. Il faut qu'on se parle tous les deux. Où est passée ta voix? Baby, tu as eu un bébé? Tu es le bébé. Bébé sans voix. Ah, tu es muet de naissance. Mais pas sourd. Non, tu entends. Quel est ton nom? Oui, tu portes bien un nom. Ben Doyle. Ben Doyle, moi, c'est Lightning Jack Kane. C'est-à-dire le Lightning Jack Kane. Tu dois avoir entendu parler de moi. Je veux devenir hors-la-loi. C'est chouette comme métier. Tu veux m'aider à faire une banque? Ouais. Un assistant aurait pu être pratique l'autre fois, mais... tes oreilles et tes yeux pour moi? Tu crois que c'est nécessaire? Tu penses que tes yeux me serviraient à quelque chose? Qu'est-ce qui a pu te faire croire ça? Ouais, ben. Des fois, mes yeux s'embrouillent de près. Quand j'essaie de lire ou d'utiliser un viseur. Mais je te jure que je descends tout ce que tu pointeras. Ce sera mon raid avant que ton doigt soit levé. Regarde ça. C'est un œil d'aigle. Je l'ai eu d'un sorcier Navajo. $75. C'est pas ça que je vise. Alors ne va pas croire parce qu'une partie de moi fait défaut que j'ai une faiblesse. Ouais. Tu dois t'y connaître plus que moi sur la façon dont les gens réagissent aux faiblesses.
Alors, selon toi, j'ai encore besoin d'un coup de main? Faire la différence entre les billets d'un dollar et ceux de 100 dollars, moi. Mais... C'est que des billets de 1? J'ai holdopé une banque pour 50 dollars? Quoi? Je jure de le dire à personne. Ah, tu veux dire que tu diras rien? D'accord. Pendant qu'on y est, tu vas te taire en ce qui concerne la morsure du serpent. Hein? Tu jures de ne rien dire. Hein? Je suis un bout en train. Tu dis rien, hein? Foutu de thèse. Hey, Ben. Je vais sûrement sortir un tas de bonnes blagues comme ça à ton sujet. Mais si tu restes avec moi, il n'y a personne d'autre qui en fera. As-tu déjà goûté au poulet de l'Arizona? L'Australie est une colonie. Alors, tu vois, si tu dévalises une banque là-bas, tu es recherché dans tout le pays. Mais en Amérique, tu peux te faire 5 banques dans 5 états différents. Il t'en reste encore 30. Tu traverses la frontière et ça y est, t'es tranquille. Ouais. La démocratie est une chose fantastique. Quoi? Ah, ça presse. Ben, t'as l'embarras du choix. Et souviens-toi, quand on mange du faucon, on se contente des cuisses. Hé, hey, on a autre chose à faire. Va n'importe où. Sentir vraiment mauvais. Qu'est-ce que tu fais, Hermès? Pas toi, lui. C'est lui, Maïd. C'est son nom. Je voulais l'appeler Thunder à une époque. Tu vois, Lightning Jack et Thunder. Non, il aimait pas ça. Ah ah. C'est ça qui l'a flairé. Non, c'est que du monde ordinaire. Je ne tue pas le monde ordinaire. Sauf s'il cherche à me nuire. Monte. Tiens, accroche ça. Essaye de prendre un air idiot, ne dis rien. Et ne fais rien. Et juste l'air triste. Tu vas voir le roi du baratinage à l'œuvre. Oh. Ils vont se fendre en quatre pour me vendre 2 dollars un cheval qui en vaut 10. Peut-être même me le donner. Apprendre un maître, mon grand. 30 dollars pour cette vieille picouille, bande de voleurs. Il y en a qui n'ont pas de complexe.
Allez, relax. C'est la démocratie. On ne nous cherche pas dans cet état tant qu'on n'a pas volé la banque. Voilà. Je rentre. Je vais vers le fond. Je secoue les billets. Et là, tu t'amènes. C'est moi qui parle. Donc, ce que tu as à faire, c'est de sortir le Colt et veiller sur moi. Ah, si un imbécile sort une arme, il faudra que tu l'abattes. Alors, attention, ne s'énerve pas. Madame, il y a une bonne façon de faire et personne ne sera tué. Ou, sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Un vol de banque qui tombe à l'eau. Dans une démonstration d'une magistrale imbécilité, un des deux supposés bandits s'est par mégarde tiré dans le pied avant que les caissiers aient eu les mains en l'air. Son partenaire panique et les deux prirent la fuite alors que banquier et client s'étouffèrent de rire. Selon un client, un des truands s'appellerait Jack. Jack Kane, et qu'est-ce qu'ils font dans Lightning Jack? J'ai dû me saigner pour gagner ce surnom et un piste de reporter n'écrit que le nom. Cette fois, je vais leur écrire. Mais le marshal Daniel Kurtz a préféré rejeter ce témoignage en disant qu'à chaque vol de banque, une personne identifiait Kane. Mais ce truand folklorique serait fini. Kane n'est que de la racaille en bout de course, en tout cas. En tout cas, il n'a rien à Jesse James. Mais qu'est-ce qu'il en sait que j'ai rien de Jesse James? Puis qu'est-ce qu'il a de plus, Jesse James? Il m'a jamais impressionné, moi. Hein? Si je connais Jesse James, ouais. On a fait quelques banques ensemble, lui, moi, ainsi que son frère Frank. Frank, il pensait à tout. Jesse est une tête de nœud. Le nœud, ce qu'on a tous en bas, là. Jesse est une tête de nœud. S'il est chauve... Ah non, il n'est pas chauve. Juste comme... Comme je l'ai été de vouloir dévaliser une banque avec un novice dans ton genre. Non. Regardons les choses en face. Je suis venu au monde pour être hors la loi. Et toi, non? Allez, oublie ça. Rentre chez toi. Quelle connerie. Des balles? Et qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux payer une banque? Mais en solo. Non, tu vas être engagé dans la bande à James maintenant. Ils vont
vont t'apprendre à être un hors-la-loi. Et un de ces jours, je tomberai par hasard sur un journal qui dira « Jesse James et Ben Doyle pillent une banque ». T'apprendras rien de plus avec eux, tiens. Et en plus, j'imagine qu'ils apprendront ça aussi, hein. Jesse James réussit là où Jack Kane a échoué. Non. Ouais, je sais. Ses copains arrivent. S'ils viennent pour nous rendre visite, fais ce que je fais. J'ai passé du bon temps avec les Navarro. Ils ne nous feront rien tant qu'on respecte leurs lois. On ne fait que passer. Et de l'assurance. Et surtout du respect. Et puis, rappelle-toi que... Oh, shit. Oublie tout ça. C'est des Comanches. Mets-toi en selle tranquillement. Ils sont pas partis. Les Comanches n'ont pas de mot signifiant recul. Ils doivent être en train de nous encercler. Que les trois autres viendront de mon côté. Quoi qu'il arrive, faut pas tirer. Allez, suis-moi.
l'esprit sur le cheval. Je peux pas retenir toute une tribu tout seul. Pourquoi on les a pas descendus? Ce sont des Comanches. On ne sait pas comment ils s'appellent. Toi, tu t'y connais pas du tout en indien, hein? Tu tues un Comanche sans connaître son nom. Son esprit rentre dans une couleuvre. Et elle viendra toutes les nuits faire un petit tour en disant « Qui est-ce? Qui est-ce ?» Si t'arrives pas à lui dire le nom du Comanche, elle te suivra toute ta vie. C'est pas amusant. Ouais. Et c'est de Aigle Rouge en personne que je tiens ce petit secret. C'est un Comanche. C'est lui qui m'a vendu ce charme. Ça empêche les grizzlies d'approcher. Rien que 30 dollars. Je crois qu'on a un problème, Dan. À Granville? Granville est à 10 jours de cheval, d'où il aurait été vu il y a tout juste 2 jours. C'est de la merde, ce journal. Non, c'est la concurrence. Le dossier qu'on a fait sur la loi et l'ordre et la chute des frères Younger a remporté un succès inattendu. D'ailleurs, mon journal vous a érigé en héros national. Bien sûr, nos rivaux essaient de prendre le train en marche. Ils vont essayer de faire de Kane une espèce de héros hors la loi. Ce qui fera de vous celui qui n'a pas réussi à arrêter cet homme. Il ne s'agit pour l'instant que d'une petite feuille de chou. Mais qui sait jusqu'où ça ira? Bien, dans ce cas, on va devoir descendre Monsieur Kane au plus vite. Comment? Disons qu'avec une prime, je devrais pouvoir trouver des gens. Ce que je veux, c'est une petite aide financière de la part de l'Association pour la loi et l'ordre. Oui, je suis persuadé qu'on peut arranger ça. Junction City et le Mail vous appuient et sont avec vous à 100%. Gouverneur. On ne craint rien ici. Tout est permis à Wayside Flats. J'ai une petite cabane un peu plus loin par là. Ça va devenir ton école. Mais pour l'instant, on a des choses plus importantes à régler. La seule et unique raison de vivre de cette vie. Dis-moi, quand remonte la dernière fois que t'as couché avec une femme? T'en sais rien? Quoi, jamais? T'as jamais? Enfin, t'es une grande personne. Hé, hey, on est dehors la loi. Écoute. Viens par là. Ah, je croyais que j'allais te montrer l'art de voler. Le coït est une autre matière. Il marche sur ton thermomètre. Quand une jolie fille bien roulée passe devant toi, est-ce qu'il se lève comme pour lui dire salut? D'accord. Et est-ce que tu sais où le mettre? Hey, c'est de la nervosité, ça. Ouais. Ma première femme, ça a été la seule et unique fois de toute ma vie où j'ai eu la trouille de quelque chose.
Ouais, ça a été une expérience drôlement énervante. Surtout pour un enfant de 11 ans. C'est aussi simple que de monter à cheval. Tu commences au pas. Tu passes au petit galop. Et tu restes là sans trotter. Jamais trotter. Et garde une allure régulière. Jusqu'à ce que la jolie créature se mette à gémir. Ça, c'est le signal. Tu galopes. Galope de toutes tes forces. C'est bon, oui, c'est ça. Galope, galope, galope. Je suis pas d'humeur à rire. Et n'oublie pas, on ne se jette pas sur une femme. Avant, tu lui dis que sa robe te plaît, que ses cheveux sont doux. Toi, tu lui fais des caresses, ce soit plus simple. Et là, tu te jettes dessus. C'est l'amour, ça. Messieurs, salut Jack. Comment ça va? Salut. Bonsoir. Bien, salut Jack. Monsieur Kane, heureux de vous revoir. Salut, Luc. Vous mettez la même chose. Jack! J'ai entendu dire que tu étais blessé, ou peut-être même qu'on t'avait tué. Bah, c'est vrai que j'ai reçu assez de plomb pour tuer un homme normal. Mais tu me connais, je suis aussi résistant et dur que le chêne. En effet, oui. Oh, je te présente mon copain de route, Ben Doyle. Ben, la très célèbre Lana Cantrell, la plus belle dame du comté et la plus grande chanteuse qu'il y ait dans cet état. Ça me fait très plaisir, Ben. Voudriez-vous quelque... Ben n'est pas très loquace. Mais il y a une chose qu'il m'a dit quand on est entré. C'est qu'il serait très heureux si tu... Pilar s'entendra parfaitement avec Ben. Ah, lui n'est pas très bavard et elle n'arrête pas. Salut. Écoute, Pilar chérie, je veux que tu sois très gentille avec notre ami Ben, d'accord? Je suis sûre qu'un bain chaud lui ferait le plus grand bien. Mais et sinon, à part ça, il est sans tâche. Ben, c'est toute une coïncidence, ça, moi aussi. Ça te dirait qu'on aille apprendre à se connaître avec une bouteille de champagne. Luc? Ben, viens. Allez, suis-moi. Ouais. Concentrons-nous maintenant sur mes plaisirs. Cowboy Jack. Et maintenant, je vais interpréter une pièce que j'adore. Cowboy Jack. He was just a lonely cowboy with a heart so brave and true. And he learned to love a maiden with eyes of heavens and blue. Your sweetheart waits for you, Jack. Your sweetheart waits for you. Out on the lonely prairie. Ah, en tout cas, je crois que t'es le gars le plus silencieux que j'ai connu. Ça doit bien faire une heure qu'on est ensemble, t'as pas dit un mot. Mais rassure-toi, c'est pas le genre de truc dont je pourrais me plaindre, ça. Non, bien des messieurs sans gêne vous coupent la parole à longueur de temps sans jamais vous demander pardon. Mais toi, t'es différent, chérie. Tu es un vrai gentleman, Ben. Alors, je serais heureuse que tu me fasses un petit compliment. Ben alors, vas-y, te gêne pas, mon chou. Tu peux pas dire un seul mot? Est-ce qu'il y a une autre partie de ton corps qui marche pas? Autrement dit, indépendamment,
Du côté nouveau ou étrange de tout ce qu'on va essayer dans cette pièce, tu pourras rien raconter à personne. Pas un mot, jamais. Dans ce cas, on va rigoler, toi et moi. New York. On va aller vivre à New York. C'est une ville merveilleuse, à ce qu'on dit, et plein de gens cultivés. Quand ça, Jack? Je fais un dernier coup. Je dois apprendre le métier à Ben avant. Ça me rassure que Ben soit là pour te protéger. Nous, les femmes, il y a des choses qu'on voit d'un coup d'œil. Il t'est très loyal. Oui. Pour moi, c'est parce que je lui ai sauvé la vie. Il a été mordu par un serpent, sonnette. Et si je n'avais pas été là pour le calmer et sucer le poison, il y restait. C'est un secret, tu vois, entre moi et lui. Vous êtes tous pareils. Tu sais, là, je crois qu'on va enfin tout recommencer à neuf. J'arrive à le sentir. C'est drôle, on dirait que c'est hier que je te promettais de te sortir d'ici. Tu m'as dit ça il y a 8 ans. Oh. Chérie. Deux bières, Luc. Tu as l'air plutôt en forme ce matin. Et pourquoi donc? T'es content de commencer tes cours de hors-la-loi, c'est ça? Alors, c'est autre chose qui te donne ce sourire idiot. Salut, Ben. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Oh, non! Tu veux dire que t'as... Oh. Fais du cheval? Je pense qu'il faudrait que tu t'excuses, petit. Et c'est pas ce sourire idiot qui fera l'affaire. Regarde ailleurs. Ceci, là. Ne me concerne pas. Hey, Mick. Attends, tu vas voir. Ce gars-là, c'est Ben l'Indien. Il n'a pas une tête d'Indien? Non. Il est surnommé Ben l'Indien. À cause de cette habitude qu'il a de couper la langue des gars qui là-bas. Il en a une douzaine pendue à une corde. C'est son collier. Sous sa chemise. La sensation des langues, ça l'excite. Ah. Oui, j'ai entendu parler de cet homme, ce Ben le... L'Indien. Ben l'Indien, oui. Très dangereux. Je vous gage un billet de 50 qu'il les tue d'une balle. Sans renverser sa bière. $100, tiens. Non, attendez une seconde. On va pas faire tout un drame juste parce qu'il m'a fait renverser de la bière. Rien qu'en buvant une gorgée, j'en renverse autant. Je suis très maladroit, moi. Je suis désolé, monsieur Ben. Désolé. Il a eu de la chance. Je suis content que tu te sois pas fait remarquer dans ma ville. Je te remercie. Tu me suis. Passez une belle journée, monsieur Kane. Messieurs, au revoir, monsieur Kane. Tout est dans l'art du bluff. S'ils en ont encore les dents qui claquent, tu peux en être sûr. Mais... Dites, j'ose espérer qu'il s'enfuit pas à cause de moi. Non, madame. Il serait plutôt du style à courir après une belle fille dans ton genre. Et là, je peux vous croire. Hier soir, il m'a presque supplié de l'épouser. Oh, c'est un flic type.
ça mène à rien de viser. C'est trop long. J'ai une meilleure idée pour toi. Détache ça. J'ai fait un coup avec un gars une fois. Il s'appelait la taupe McBain. Ce gars-là, sans lunettes, il est aveugle. Plus loin que sa main, il voyait rien. Alors? Tiens, hein, c'est ça. Alors, j'ai fabriqué un machin sur mesure. Calibre 20 tronqué. C'est pour tirer de près. Alors, on va se rapprocher. C'est ça, Wayne. Ce nœud dans la planche, là. Un 45 normal. Cadon de 50 spécial. La foudre ne frappe pas deux fois. Un seul coup suffit. Alors, avec ce truc, assis sous ses mètres, le gars sort de ses bottes sans toucher les bords. Mais à 30 mètres, ça va seulement le mettre vraiment en colère. Range ça. Alors, faut pas que tu penses à sortir ton pétard si t'as l'air de crever de peur. Il faut que tu regardes au travers de ton ennemi, comme s'il était rien du tout. Dis-toi que le gars n'est qu'une souris et que toi, t'es un serpent à sonnette. Moi? Le truc du regard? Non. C'est inutile. Je sais que je suis bon. Toute l'histoire que j'ai racontée en disant que tu étais Ben l'Indien, elle contenait du vrai. Sois sûr qu'il n'y a pas un Comanche qui couperait la langue à un gars. Ben, je tiens à t'offrir ceci. D'ailleurs, ce truc-là n'a rien d'Indien. C'est un vieux Chinois qui me l'a offert. C'est un collier de fertilité. Ce ne sont pas des langues. C'est des testicules. Tu vois, des couilles. Mais maintenant, ce sont des langues. Elles t'appartiennent. Non, ne me remercie pas. Entraîne-toi au tir, plutôt. Je vais nous préparer à bouffer. On a entendu dire qu'il avait une retraite dans ce patelin. Alors on s'est dit que s'il était esquinté, il reviendrait ici. Et nous, on se fout qu'il soit blessé. La prime est garantie. Qu'il soit mort ou vif. Non, je crois pas avoir vu ce gars-là dans le coin. Lana, c'est deux... Inspecteur cherche à repérer un hors-la-loi qui porterait le nom de Lightning Jack Kane. Ça te dit quelque chose? Des inspecteurs. Les inspecteurs sont toujours de vieux gros bedonnants. Ce n'est pas votre cas, alors si vous voulez m'arrêter, je vous en prie, ne vous gênez pas. Non, madame. Nous sommes des agents spéciaux, nommés délégués au U.S. Marshal. Vous connaissez Kane? Oh, une fois on s'est croisés. Une fois de trop, en fait. Il n'avait rien dehors la loi, ça non, messieurs. Les bandits savent se tenir. Monsieur Lightning Jack Kane était qu'un sale putois sans aucune gêne et sans aucune éducation. Il serait mort, est-ce qu'on dit? Oh, j'espère qu'il l'est. Vous prendriez un petit verre, sans doute. Sally?
Pourrais-tu installer ces deux gentils messieurs à une table pendant que je leur prépare quelque chose de frais? T'as vraiment de grands talents d'actrice, je te jure que t'avais l'air très sincère. Ouais, ben quand j'ai traité Jack de putois sans aucune gêne et sans aucune éducation, je le pensais. Lana, fais bien attention. Ce petit insigne qu'ils portent, ça veut dire qu'ils sont bien de la police. Mais je te jure qu'ils puent l'odeur de la mort. Je sais. Je veux juste savoir pourquoi Jack suscite tant d'intérêt. C'est moi, Lana. Jack! Jack! Je suis réveillé. Tu m'as toujours dit que tu dormais tout nu. Ah oui, c'est vrai, mais ce serait pas décent avec un autre homme ici. C'est ça qui t'amène ici en pleine nuit? Tu t'es soudain mise à penser à moi tout nu, ça? Non, c'est pour t'avertir. Il y a deux délégués Marshall en ville qui disent à tous que tu vaux très cher, mort ou vif. Et il y a une prime sur moi? Et combien je vaux? Je crois qu'ils ont dit 200. Rien que 200 dollars? Ben, peut-être que c'était 2000, qu'est-ce que ça change? Ils ont dit mort ou vif. Qu'est-ce que ça change? Tout pareil. 200 dollars. C'est la prime qu'on donne pour un voleur de bétail. Chérie, je suis Lightning Jack Kane, un pilleur de banque doublé d'un tueur. Oh, et suis-je bête, j'ai dû paniquer. Peut-être bien qu'ils ont dit 5 000. 5 000? Oui, c'est sûrement ça. Oui. En route, Ben. Je crois que dans la région, les gens vendraient leur mère pour moins que ça. 5 000 $. Jack, ça m'inquiète. Ah oui? Ils essaient de m'attraper depuis des années. Non, ce sont des chasseurs de primes cette fois-ci. Il y en aura bientôt plus. Il paraîtrait que Marshall a mis des tueurs à tes trousses. Des agents spéciaux. Dan Kurtz, Johnson City. Ce n'est plus sécuritaire ici pour toi. Il faut que tu partes. Non. Alors, tu vois, on t'en fais pas. Non, je comptais bien quitter ce paradis. Je repasserai, bien sûr, pour venir te chercher comme j'ai promis. Mais quand? Un dernier bon coup. Je reviendrai à la fin du mois. Sois prête à décoller. Tu as ma parole. Aurais-tu par hasard pensé à prendre la fille disant qu'il y a une prime sur mon nom? Non. C'est une petite ville ici, c'est Paris. La banque ne vaut pas la peine d'être pillée. La plus grosse banque, c'est celle de Junction City où on s'est fait avoir, les Younger. Ouais. Ah. Tout le monde est de la police là-bas. Personne ne s'y attaque pas. Quoi? La foudre? Jamais? La foudre ne frappe jamais deux fois. Hé, hey, tu sais que c'est pas idiot. C'est la dernière banque au monde où ils penseraient me voir apparaître, ça. Un vrai esprit d'or, la loi, toi. Tiens, ça y est. La plus grande foire aux bestiaux de l'année. Au terrain des enchères de Junction City. Vendredi le 27. C'est ce vendredi. La banque sera plus grosse que la femme du boulanger. Mais toi et moi, on y sera. Allez, un autre verre, Ben. Alors que moi, je réfléchis. Ah, je suis désolé, je voulais dire Ben l'Indien. Je m'excuse. Hé, hey, petit.
Moi et mon collègue, on voudrait savoir ce que tu fais avec ça. Tu prévois aller faire un tour à la chasse aux rats? Ou aux canards? Hé, hey, le gars avec le manteau noir, c'est John T. Coles. Coles? Le célèbre tireur du Nord? Hey. Qu'est-ce qui te prend, petit? Est-ce que t'aurais vu un rat? Chers amis, ce gars-là est Monsieur Ben l'Indien. Il est un peu... Alors, dans le coin, les gens ne font pas vraiment attention à lui. On vous a déjà fait remarquer que vous êtes trop bavard, monsieur. Est-ce que vous allez retourner vous asseoir, ou si vous allez papoter et continuer à nous casser les oreilles comme ça? Vous avez raison. Tout ça n'est pas mes oignons. Je ne veux pas m'en mêler. J'ai rien dit. Et justement, d'ailleurs, je sautais. Excellente idée. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous en alliez d'ici comme un dégonflé. Dehors. À quatre, ils sont trop nombreux. Et alors, Monsieur Ben l'Indien, t'as que deux choix ici. Ou tu sors ton pistolet à rat tout seul, ou alors je le fais à ta place. Et même que j'aurai le temps de te le fourrer dans le cul. C'est dur à quatre. Mais trois, c'est rien. Je me fais peur des fois, tellement je suis bon. Vous avez de la chance. C'est vrai, parce que si l'Indien avait dégainé... Ben? Plus un seul geste, mon grand. Tu bouges un sourcil et je te tranche en deux. Bonne nuit, Mathieu. Bonne nuit, shérif. Shérif, plusieurs disent qu'il y avait quelqu'un avec lui, mais qu'il se serait enfui. Et personne ne les a vus ici avant aujourd'hui. Mais un des gars dit qu'il y en avait un des deux qui s'appelait Ben l'Indien. Ça serait pas vous, monsieur la gâchette. L'Indien. Peut-être qu'un petit coup de crosse pourrait vous délier la langue. Laisse tomber, Bart. Il n'a qu'à porter le nom qu'il veut, ça ne fait rien du tout. J'ai envoyé des télégrammes avec sa description à tout le monde dès demain. Pour moi, on saura qui il est avant midi. Je peux te dire à la vitesse qu'il dégaine qu'il doit sûrement être recherché quelque part. Tu sais, il faut que les gars dans ton genre réalisent... Bon vieux temps est tout à fait révolu. Le télégraphe est plus rapide. On est au 19e siècle. À faire une ronde dehors, Bart. Assurons-nous que personne n'assassine personne. Eh ben, Jack, ça fait une paye. Une dizaine d'années, Tom. Ouais. Tu vas bien? Ah oui, je survis. Tout juste. Mais je survis. Tu sais que je ne pourrais pas te laisser sortir. Il y a eu trop de témoins. Puis demain, déjà, tout le comté aura entendu parler de fusillade. Quelle connerie.
Il y a 10 ans, j'aurais sans doute arraché la grille de ses gants et on serait enfui ensemble, mais là... Oui, je comprends. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est rien de personnel. Jack, j'ai mis ton nom nulle part sur la description. C'est le mieux que je puisse faire, mon vieux. C'est gentil. Tout est tranquille dehors, shérif. Bon, je t'en confie la garde, Bart. T'as qu'à éviter de t'approcher de lui. Et je viendrai te remplacer dès l'aube. Ferme ma clé. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Salut, les gars. Faire tout le boucan que vous voulez. J'ouvrirai à personne. Allez donc vous coucher. Imbécile. Tiens, tiens, voyez-vous ça. Aucune mire de visée. La chance était de ton côté au saloon, petit. Non, c'est toi qui as eu de la chance. Tu as eu de la chance que je fasse pas éclater cette grosse pastèque qui te sert de tête. Allez, lève-toi, pauvre imbécile. Tout doucement. Je veux que tu sortes ta main et que tu mettes l'autre sur la tête. Approche-toi. Pousse-toi. Ça va, tu peux te recoucher. Il n'y a pas de raison que je manque une bonne nuit de sommeil à cause d'un salopard dans ton genre. Thank you.
les menottes. Es-tu religieux, Ben? Moi, ces choses, j'y croyais pas non plus, dans le fond. Seulement cette nuit, quand t'es apparu dans les flammes, j'ai cru que t'étais ce vieux Satan. Personne qui venait pour me prendre. Tu sais, j'ai bien réfléchi. T'as un léger défaut, Ben. Je crois que t'es pas très enclin à tirer cette gâchette et faire sauter la tête de quelqu'un, hein? Il n'y a pas de honte, Ben. Personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai un défaut dans ma nature. J'ai jamais eu confiance en personne. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas grave que tu sois timide de la gâchette. Je tiens mieux qu'un régiment entier, de toute façon. Ce qui compte, c'est que j'ai confiance en toi. Comme si tu étais mon frère. Mais je t'avoue que ça me touche. De sentir que je devais te serrer dans mes... Bah. Alors, heureusement qu'on est des hommes, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Trois de l'art, nous avons dit trois de l'art, qui dit quatre, deux avocats de l'art, quatre de l'art, qui dit mieux, merci, cinq de l'art, qui dit six de l'art, sept de l'art, ouais, sept de l'art, huit, huit, qui dit mieux. La vente aux enchères finit à 3 heures. Et puis à 5 heures, cette banque sera pleine à craquer de beaux billets. Il ne nous restera plus qu'à faire un retrait. Membre de l'Association pour la loi et l'ordre de Junction City. Ouais, je sais. C'est ça qui va nous assurer l'élément surprise. Attends, regarde. Je vous demande pardon. La banque qu'il y a là, est-ce que c'est celle où ces bandits se sont fait avoir? C'est celle-là, en effet. Tu avais raison. Des hors-la-loi. Eh bien, ça m'inquiète un peu de déposer tout cet argent ici. Non, mon cher ami. Cher ami, vous avez devant vous la banque la plus sûre de tout l'État. Oui, chaque personne qui mène une affaire ici est membre. Et à la moindre situation normale... Aucun hors-la-loi sur ce territoire n'oserait l'habiller. Ils savent tous ce qui est arrivé au frère Younger. Vous étiez mêlé à ça? Je les ai vus, le premier. Mm. Oui, je crois que j'ai un grand flair pour ça. Mm. C'est tout à fait la banque qu'il nous faut. Oui. Tout sûr. Oh non. Le bon côté, c'est qu'il ne reconnaîtra pas un truand, même si celui-ci lui pisse dessus. Le mauvais côté, c'est qu'il vient de le prouver. Non. Les deux à cheval. Celui de gauche, c'est J.D. Kincaid, recherché dans 4 États pour vol de banque. Je crois qu'il m'a pas repéré. Sa clique est sûrement en ville quelque part. Je crois pas qu'il prendrait le risque de voler cette banque à deux seulement. Nous, c'est différent. Je pense que ça vaudrait la peine que tu le suives. Retrouve-moi aux écuries après. «
Ils sont donc 6 au moins. Est-ce que t'as vu un gars avec un bandeau et baraqué? Dutch Spencer. C'est la clique à Kincaid. Ils sont là pour la banque. J'aurais dû le savoir. La plus grande vente aux enchères de l'année. Personne ne s'attend à rien. Une idée de hors la loi. On a 2 choix. On y va avant eux. On va la piller tout de suite. Sauf que ça n'a aucun intérêt avant la fin de la vente. Second choix. On laisse Kincaid dévaliser la banque et on lui saute dessus à la sortie de la ville. Où est-ce qu'elle est, la sortie? Il déteste les grandes villes. Quoi? Un troisième choix. On s'en va, on trouve une autre banque. Qu'est-ce qu'il y a? Et hors la loi? Banque? Oh, je dois alerter les membres. Pete, tu vas chercher le marshal. Et je vais sonner l'alarme. Ne cours pas! Maintenant, avancez. Avancez tous vers moi. Posez vos armes par terre. Posez vos armes. Pas ici. Vite. C'est ça. Placez-la juste ici. On va faire une photo du marshal Kurtz capturant D'accord. tous les pilleurs de banque. Ça va? Attention. Ne bougeons plus. Hey, on va faire une photo jusqu'à l'ici. Demande-nous de venir ramener l'appareil. Oui, je vois que je dirais, vous avez la tête, vous savez, en voyant tous ces fusils. Ah oui, je vous jure que les poules auront des dents avant que d'autres hors la loi fassent le projet de piller. Va m'attendre avec les chevaux, je te rejoindrai. Chers amis, rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Et ceux qui sont là, j'aimerais que vous reculiez un peu. Voilà, c'est ça, je vous remets. Alors, je vous prie, messieurs, aussi fixe que possible.
Cette photo-là va paraître dans les journaux de l'Est. Ils veulent voir les gens du comité, et ça va de soi notre prochain gouverneur. Ne bougeons plus, messieurs. Alors, attention. Rappelez-vous, on ne bouge pas. Que ces matadors vont rester longtemps dans le coin? Ah, aussi longtemps qu'ils seront payés. Ils vont rester. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Jack ne reviendra jamais. C'est vrai? Mais il a promis à Lana. Mmh. Oh, quoi? Il peut renier sa parole parce que c'est une putain? Quelqu'un aurait dû dire ça à Lana il y a 10 ans. Peut-être bien. Mais il l'entendra pas aujourd'hui. Lana, pourquoi ne rentres-tu pas à l'intérieur déguster un verre de limonade avec moi? Oh, je voulais prendre un peu d'air frais à l'écart de tous ces beaux hommes. Jack, il fait sans doute attendre que ça devienne moins risqué de venir ici. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il va éviter d'arriver au beau milieu de la journée. Il serait repéré tout de suite. Chérie, combien de fois est-ce qu'un homme t'a demandé de partir avec lui ou même de l'épouser? Plus souvent que je sais compter. Alors étudie le calcul. Un de ces jours, tu vas te demander ce que tu fais sur un balcon poussiéreux et attendre en vain celui que tu crois être le prince charmant et qui d'ailleurs serait seulement un vieux club fratatiné. Un peu de rire. Hey, Ben, relax. Lana ne risque rien. C'est un village de rien, sans shérif. Puis du reste, ça fait 2 semaines et personne ne nous recherche. Le crime parfait, rien de moins. Dire que ça ne se saura jamais. Wow, wow, wow! T'as tout trouvé, chérie? Aucun problème? Peut-être bien que si. Ben, voudrais-tu voir si mes provisions sont toutes bien attachées? Les journaux ont reçu une lettre avec cette montre comme preuve, leur racontant que c'était toi le cerveau qui a mis au point le vol de la banque, que t'as doublé tous les gars de la clique à Kincaid. Et en plus, il y a ta photographie. Le cerveau de l'affaire est démasqué. Et la lettre était signée l'Indien. Et nous, cette partie, celle sous ma caricature. Lila to O. 10 000 $ de prime pour Monsieur Lightning Jack Kane, décrit par le Marshal Kurtz comme étant plus sournois qu'un serpent sonnette et 2 fois plus dangereux. Oh, Ben. Pourquoi? Je vaux déjà 10 000 $! Plus sournois qu'un serpent sonnette. Et 2 fois plus dangereux. 10 000 $! Ouais, 10 000 $! 10 000!
C'est un vieux rituel indien. Comment on s'en fait? Allez, en route. Tous les limiers de la région seront mes trousses. Peut-être bien même tous les limiers du pays, d'ailleurs. Ouais. Hey Ben, on est la clique à Kincaid, et hors la loi. Jack, les gens du village disent que cette route passe en territoire Apache, très hostile. Excellent. Regarde, c'est un sac spirituel. C'est un sorcier Apache qui me l'a vendu. Ça fait de moi un vrai frère de sang chez les Apaches. Je fais partie de leur famille. Je vais payer $50. Mais si ça marche pour toi, qu'est-ce que tu fais pour moi, Ben? Aucun problème. Ce truc-là fonctionne pour toute la famille. Cela dirait seulement que t'es ma femme. Oh. Et puis que Ben est notre fils. Oh. T'as rien à craindre. Il n'y a pas un Indien à moins de 100 km d'ici. Je le sens.